C'est Xavier Thévenard, j'ai couru l'UTMB en 20h45. C'est une course de 170 km, elle traverse trois pays, la France, l'Italie, la Suisse. Ça commence de Chamonix et ça arrive à Chamonix. Et une heure avant cette course, je suis dans ma bulle, concentré, excité. Du kilomètre 0 au kilomètre 30, c'est vraiment le début, quoi. On pourrait considérer ça comme un échauffement. Donc, prends pas le chou, tu pars sur ton rythme, quoi. Du kilomètre 30 au kilomètre 80, donc la nuit tombe, on a une notion du temps qui est un peu différente. Le champ visuel, il est réduit, donc on a des sensations de rapidité qu'on n'a pas le jour. On n'est pas encore à la moitié, donc il faut savoir se réserver. Et là, on a eu un ciel étoilé, j'ai eu deux étoiles filantes. J'ai fait un vœu, du coup, hein, il faut en profiter. Le centième kilomètre, c'est le lever du jour, souvent. Je retrouve l'Américain Zach Miller. Je chantais qu'il voulait voir ce que j'avais sous le pied, donc... Il a un peu accéléré à des moments, il voulait pas me laisser passer devant. Moi, je me suis économisé derrière avec les bâtons. Il est arrivé à champer, il était quand même bien, bien cuit. Ça allait bien, j'avais encore des bonnes sensations. Après, la route est longue, hein. Il reste encore 70 km, donc il faut pas s'enflammer. Du kilomètre 125 jusqu'à l'arrivée, j'étais vraiment en gestion. C'est jamais facile, hein, quand on est dans ces kilométrages-là. On a les jambes dures, on est fatigué, on vient de passer une nuit blanche dehors avec des conditions un peu difficiles. Des fois on a chaud, des fois on a froid. La douleur physique ou la douleur des fois articulaire en fin de course, elle passe au-dessus, on va dire aux alentours du 140e kilomètre. On passe dans un alpage, l'alpage de Bovine, et puis là on voit la vallée du Rhône avec la ville de Martigny en dessous. Quand on en est là, on se dit que... La fin n'est pas très loin. Bah, l'arrivée, c'est tout simplement exceptionnel. C'est des images qu'on ne trouve pas dans les vidéos qu'on regarde par la suite. Moi, ça me fait plaisir, je suis satisfait de me rendre compte que je peux procurer un peu de bonheur à ces gens-là. Il y aurait eu des kilomètres en plus, je les aurais fait. Ouais. J'aurais pu facilement en remettre 30.